Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4. Nous en sommes à l'épisode 21 me semble-t-il. Et tout s'était plutôt bien passé, mine de rien dans l'épisode 20. On avait un vendeur, voilà, on avait un vendeur qui nous proposait rien d'intéressant en soi. On avait amélioré sa TMP, donc on a une TMP exclusive, c'est plutôt cool. Attendez, j'ai autant d'argent? Oui, on a bien la TMP exclusive et pourtant j'ai beaucoup d'argent, je trouve. C'est pas grave, on va continuer, peu importe. On va mater un petit peu la carte parce que j'ai carrément oublié où j'habitais, frère. Donc on va mater la carte histoire de voir où on en est. Il fallait que j'aille tout droit. Il fallait que j'aille tout droit, d'accord. Oh là là, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, je suis totalement perdu, les gars. Ah oui, oh là, oh là, oh là. Je commence à me souvenir un petit peu de tout ça. Très bien. Oui, on avait franchi le grand couloir avec les bref, vous m'avez compris. Alors, c'est parti, Ashley. Reste là. Parce que je suppose que vu qu'il y a deux poignées, essayons, hein, on va pas te tergiverser. Boum. Ça n'a pas marché. D'accord. Ashley. Ashley, reste là. Faut pas que tu me suives, Ashley, c'est chiant. Ok. D'accord. Voilà, c'était sympa, c'était un petit jeu, hein, on va pas critiquer, on va pas commencer à envoyer des boulettes. Donc, on est parti. Oh là, oh oui, oh oui. Oh ma mamma mia. La célèbre phase en camion avec notre petite sœurotte Ashlette. Ça va être sympa, ça. Ça va être très 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 sympa. Ok. Y a pas d'autres trucs? Attendez, bougez pas, hein, je regarde vraiment tout, il faut tout fouiller, les gars. Parce qu'une fois qu'on est parti, on est parti, on revient plus en arrière. Bon, voilà ce qui a se passer. Ils m'ont donné des balles de sniper, je suppose qu'il va être de mise. Bon, j'ai que 6 balles, 7 balles, allez. Pistolet, puis oh là là, oui, c'est pas très beau tout ça, ben oui. Allez, je sais plus ce que j'affronte. Ok, c'est elle qui conduit, ouais. Ah oui, d'accord, toi c'est vrai que t'as travaillé dans les champs toute ta vie, pour une fille de président, donc tu maîtrises plutôt bien ces outils. Ok. C'est parti. Ashley, fais gaffe. J'ai peur pour toi, ma soeur. Ok. Attention, petit virage, Ashley. On est en côte, t'es large. Quoi? Ça fait beaucoup. Ok. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je pense qu'on va utiliser ceci. Allez, dégage. Vous êtes là, vous me racontez vos vies, mec. En soi, je sais pas trop quoi utiliser. Peut-être le fusil à pompe, non? Non, ça me fait chier de jamais avoir de balles de pistolet. Allez, le pompe, ça peut être sympa. Attention. Hop, tu dégages. Ah, je peux descendre, c'est pas mal, ça. Allez, tu dégages. D'autres? Ah, mais attendez. Il y a Green Arrow, là. Quoi? Bah attends, vu que je suis là, ils peuvent rien faire. Oh, miskin. Regardez, vu que je suis là, ils peuvent pas avoir l'animation pour sauter. Donc, regardez, c'est bolos. Quoi? Je crois que juste derrière moi, je vais me faire enculer. Ah! Ah! C'est rien, Ashley. Ok. J'ai pris... je les ai sous-estimés, ces petits salauds. Attention, relève-toi pas. Relève-toi pas, tu vas souffrir. Ah oui, mais là, c'est un truc blindé, je ne peux rien faire. Quoi? Mais c'était blindé! Ah, fallait que je tire dans le pneu, c'est terrible, c'est terrible. Ok, on est reparti, les potes. Direction le camion. Direction le camion. On va... voilà ce que je vais faire. Je vais les laisser, finalement, monter. Parce que vous avez bien vu qu'il lâche des trésors et tout, ce que je ne pensais point. Par contre, j'ai bien découvert le bug. En fait, si tu te mets au milieu du camion, tout devant, ils ne peuvent pas monter. Voilà, l'animation, ils la font pas, celle de sauter sur le camion, vu que je suis devant. Donc, je pense que ça a été programmé comme ça. On va les laisser monter. Parce que justement, j'aimerais savoir s'ils vont me donner des trésors, des munitions, quelque chose de sympa. Donc, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, vas-y, allez, les gars. Vous êtes des machines. Allez, voilà, vas-y, allez, les gars, venez. Bon, il y en a à moitié qui sont tombés par terre, mais voyez, on peut récupérer des petits trésors. C'est plutôt cool. Bon, on en a récupéré qu'un. Pas ouf. Pas ouf en soi. Vas-y, rapprochez-vous, les mecs. Y a pas de soucis. Vas-y, viens faire. Voilà. Limite, en plus, le mieux, c'est bien les arracher.
Voilà, venez, 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 il n'y a aucun putain de problème. Allez, ça dégage. Yes, et en plus, des munes. Et c'est des munes de pistolet. C'est plutôt cool et c'est plutôt worse. Bon, on va reload. Ça, c'est chiant. Voilà. Ok. Yes! J'ai cru que ça allait pas marcher, j'ai eu peur, il continuait. C'était assez dangereux en soi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser monter encore? Ça me paraît pas mal, ça me paraît être une bonne idée. Voilà, on va utiliser bien évidemment le fusil à pompe. Que je fasse gaffe quand même. Vas-y, venez les potes, y'a pas de soucis. Allez. Yes. Hop. Voilà, ça c'est bon pour se faire des coups gratos. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Là c'est bon. Ok, on est bon. On est bon. C'est bon! Bonne chose de faite les potes! Et évidemment, évidemment! Bon! Viens là, viens par là frérot. Oh là, calme-toi. Viens pas comme ça aussi vite. C'est assez stressant. Non, il y avait des balles! À toi l'honneur. Ah ça c'est chiant. Donc toi tu m'attends là et moi je vais me faire soulever, c'est ça? Bon bah, hé, les mecs, on y va, c'est pas grave, on va se faire soulever, hein. Après tout, pourquoi pas? Donc, c'est parti, on va passer par où? On va passer par ici. Hop, ça me paraît être un bon chemin. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là! Ah, vous êtes là. Alors, comment on va faire? Voilà ce que je pense. J'ai des balles de pistolet, j'ai aussi... Hé, on va tenter. Allez hop, la petite doublette, c'est exactement ce que je voulais. Jusqu'ici... Tout tourne plutôt bien. On va reload, comme ça, c'est ça. En faire, à faire en moins, pardon, pour tout à l'heure. Voilà. Et puis après, bon, les gars. Oh là ! Oh là ! Eh, tente pas des coups de chou. Voilà. Il faut varier les plaisirs toujours un petit peu. Pourquoi j'entends encore un truc électrique ? C'est terrible, hein. C'est terrible que les jeux. Ah, mais putain, t'étais là. Oh ! Bien joué à toi. Bien joué. T'as su esquiver. T'as su trouver les mots. Hop, allez, dégage pas. Ferme-la. Eh, hey, je veux bien qu'on rigole. Tu m'as vu, tu m'as pas vu, mais au bout d'un moment, ça va la comédie. Vous êtes combien, là, les mecs? Quoi? Mais... Mais elle était au volant? Enfin, au volant, au guidon, enfin, au guidon, au manche. C'est quoi, ces conneries? Mais qu'est-ce... Comment tu t'es fait embarquer? Comment t'as pu te faire embarquer réellement? Je t'aime bien, ma soeur. Hein. Ah, ça veut dire qu'ils sont carrément descendus. Oh, vous allez loin, les gars. Hein. Ok, voilà ce qu'on va faire. Eh ben, on va tout faire au snipe. Ça, par contre, on va le retirer. C'est terrible. C'est terrible. En plus, c'est écrit en espagnol. Ça me donne envie de sucer un chorizo et d'arracher tout ça. Là. C'est comme quoi les traducteurs, ils sont chiés. Ils ont jamais fait de mise à jour. Ils sont pas littéralement les couilles, hein, rappelez-le. Hop. Non, tu veux pas? Voilà. Allez, la doublette, ça dégage. On va faire attention. Ah! J'ai dit on va faire attention. Allez, dégage. Allez, dégage. Personne n'a sauté pour l'instant, ça va, t'es safe. Ok, fais pas la con, ma soeur. On va y aller, on va y aller, on va se dépêcher. Yes. Le monte charge a été activé. Revenons vite au bulldozer. Allez, on va vite au bulldozer. Attends, oh là, oh putain, fais pas la con. Ok, c'est bon. Allez, on va vite au bulldozer. Bon, ça va, j'ai réussi à la sauver là. Pas évident, d'accord. Je pensais pas en fait qu'il y avait deux issues, je vous avoue. Quand bien même, je pense qu'on a bien réussi. Voilà, c'est Resident Evil 4, on se fait piéger la première fois, mais la deuxième fois, ça passe toujours bien. Par contre, j'ai plus de balles de snipe, et ça, c'est très très chiant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le pistolet, on va le reprendre calmement, voilà. Je pense que nous sommes possédés, ou voilà, je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez une idée. Bon, Ashley, je reste près de toi. Fais pas la con, putain, parce que je vais tirer une cartouche, je te jure, ça va arracher les dents. Bon, on va peut-être pas les laisser monter, finalement. Je sais pas ce que vous en pensez. On va récupérer le flingue. Oh, c'est chiant. C'est chiant, bougez pas. Voilà, on va récupérer le flingue, on va le reload, on va tuer les deux mecs là-haut. Ah mais c'est eux deux ces petits salopards en fait. Là c'est censé les écraser normalement, mais ça ne le fait pas.
C'est intéressant, oui. Là, il y a du monde qui va sortir. D'où, je ne sais pas. Voilà. Hein, le mec. Ok, ça, c'est super intéressant. Quand ça se passe comme ça, c'est toujours un plaisir. Allez, dégagez. Brûlez tous. Ah ! C'est pas vrai ! Mais il est encore vivant, ce trou du cul ! C'est quoi ces conneries ? Mais... Dégage ! Ok. Ferme-la ! J'ai dit ferme-la ! Pas vrai ! Voilà. Ok. Bon, là, là, c'est le célèbre coup du train. Ça va être chiant. On va prendre le snipe. J'ai plus balle de snipe pour pas que j'ai peur. D'accord. Une balle suffisait. Bon bah écoutez, j'ai niqué une balle de snipe, c'est pas grave les gars, c'est moi qui régale, j'offre sans problème. Hein. Bon, on a l'air tranquille, on a l'air safe, c'est plutôt cool. Phase un peu chiante, hein. Là je vous avoue que c'était pas méga ouf. Donc c'est parti, examiner. Il est complètement détruit, on ne va plus pouvoir l'utiliser, oui. Oh, quoique, un petit demi-tour, un petit créneau 3 temps, ça peut le faire. Hein. Ok, allez, c'est parti, on va voir. Est-ce qu'il n'y a pas un frérot vendeur? Yes, t'entends cette petite musique? Tu sens qu'il va se faire des bénéfices? Il va se faire de l'argent? Ok, on va tout ramasser. On va évidemment sauvegarder. Mais avant cela... Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, Sugoi! On est bon, là, bébé, ouais, ouais. Ok, oh, je récupère même les grenades... Ah, dégage. Toi, je ne te soignerai jamais de l'aventure. Je pense que tu l'as compris. Si elle l'a pas compris, je vois pas comment lui expliquer. Bon, on y est. Est-ce que je peux encore optimiser une nouvelle chose? En soi, non, toujours pas. J'ai 37 000. Ah oh, ouais, c'est vrai, il faut vraiment que j'utilise le broken. Vous allez voir, hein, on va finir le jeu sans que je le fasse. Hein. Ouais, ça sert à rien d'améliorer. Oh bah tiens, allez. Hey, ça va me recharger mon snipe. Allez, c'est vraiment parce que franchement, franchement, on est large. Ok, plutôt une bonne chose de faire. Est-ce que je peux lire ce petit... Non, il y a un mec qui a écrit un grimoire, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir le lire. Mais enfin, je ne peux pas. T'as 11h38. Alors, faut savoir que 2-3 fois, j'ai eu des appels, des livraisons, des conneries comme ça. Là, par exemple, il n'y a pas 20 minutes qui sont écoulées, j'étais au téléphone. Et en mettant star, ça continue à s'écouler dans le jeu, mais bon, c'est pas grave. I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. Fin de chapitre. Et bah oui, on a mis une puce de type GPS dans son dos. Personne ne va jamais la voir, sachant qu'elle clignote à 4,5 km à peu près. Enfin, pourquoi pas. Bon, on sauvegarde pour le plaisir et pour le fun, les amis. Alors oui, je suis mort quelques fois. J'ai coupé les morts parce que dans le camion, c'était juste inintéressant à regarder. Hein, on va pas vous faire perdre du temps. Oh, tiens. Et ouais, mon petit pote, un petit lingot. Il était là, il m'attendait. On va fouiller toute la pièce, sait-on jamais. C'est, il suffit qu'un trésor soit caché. Les gars, toujours apprécier, prendre son temps. On peut continuer. Le prochain point de sauvegarde est là-haut. On va aller au prochain point de sauvegarde.
Je pense qu'on va pas tarder d'ailleurs à rencontrer notre plan. Oui, parce que c'est bien connu, les méchants écrivent leur plan et puis ils laissent sur une table comme ça. À la vue de tous. À cause de cet agent, nous avons perdu le chef Mendez et Ramon. Nous allons quand même continuer comme prévu. J'avoue cependant que la perte de mes fidèles compagnons va légèrement perturber ma mission, mais je dois continuer. Il ne va pas être facile de les remplacer. Je vais devoir choisir soigneusement. Les Plagas prennent le contrôle du conscient de l'hôte. Si je choisis mal, ils risquent de me trahir. Mes hommes doivent me jurer fidélité. La trahison de Serra m'a donné une bonne leçon. Je ne commettrai pas deux fois la même erreur. L'heure est grave. Je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. Pardon, j'ai le hoquet. Ok. Alors, en soi, pourquoi j'entends des trucs électriques, les gars ? C'est très chelou. J'entends une matraque électrique. On l'entend à travers... Oh. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Sacré gueule en tout cas. Attention. Attention. Bon, on continue les potes. On va aller par où ? Ah, on va aller par là, parce que je vois des petites munitions. On va arracher tous ceux qui sont en bas, là. Ça fait plaisir d'avoir un pompe. Ah oui, mon sniper, il a bien chargé, bien sûr. Ça fait plaisir d'avoir un pompe aussi solide sur ses appuis. Comment on va faire, là ? Comment je vais faire ? Ma vie, elle n'est pas totalement pleine, donc on l'utilisera. Oh là là, j'ai trop de soins. C'est terrible. Regardez, je peux refaire un truc comme ceci. Voilà, il me reste encore deux plantes. Bon, on est plutôt worse. Ça me fait des soins max à gogo. Encore ? Mais prends, je donne. Enfin, donne, je prends. Voilà, on va peut-être pas inverser les trucs. Yo, ferme-la. Et là, tu m'auras... Souplesse ! Voilà, et là, tu me racontes ta vie. Attention à toi. Il va pas se transformer, celui-ci ? Ça va. Dégage. Alors lui, tiens, dans un mur, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, donc ça m'a fait chier de l'embêter quand même. Je vous entends, mais vous êtes... Ah ! Oh putain. Ok, deux balles, c'est bon ça. Des petites mules ? Voilà, merci, ça c'est cool. Putain, niveau pistolet, faut vraiment qu'il me régale là, que je revienne dans le droit chemin, parce que c'est super chiant. Je vous avoue d'être à la recherche de balles de pistolet. C'est qui tire là ? Qui tire sur quoi ? Wow ! Wow ! Tais-toi ! Souplette ! Oh ! Allez, petite esquive. Bon, attends, juste toi tu meurs, parce que c'est chiant. Toi, une petite balle de pompe, on va calmer un petit peu tes petites ardeurs. Voilà, ça dégage. On reprend le pistolet, parce que nous on fait le travail proprement. Eh bien, petit coup de cut. Ah, ça va être chiant. Voilà, on va reculer. Allez, dégage. Ferme-la. Allez, faut partir, voilà, faut partir en enfer, monsieur, au bout d'un moment. Des petites mules ? Non, toujours pas, ben les mecs ! Voilà, ça dégage aussi. On est bon ? Y'a quoi là-haut ? Alors, là, on va peut-être pouvoir se gaver. De l'or ! De l'or pour les braves, je prends. 9000 pesetas, on m'a dit que c'était pas grand-chose. Alors, les gars, moi, je bouffe pas de la paella à tire-larigot, donc dites-moi si c'est vraiment... Oh, trop bien ! Ouais, ensuite... Ben, ça ne fait rien, ça ne change rien. D'accord. Ok, je ne sais pas pourquoi. On pouvait casser, c'est plutôt cool. Mais pourquoi, attendez. Il y a forcément un truc, non? Un trésor, quelque chose? Que dalle. Il n'y a rien du tout. D'accord, on va passer par... Alors ouais, là, on peut passer par... Alors là, là c'est chiant, les doubles choix comme ça, c'est terrible. On va passer par où? On va passer par là, parce que c'est une pièce vide de l'autre côté. Yo. Il y a quoi? Une grenade, je prends. Une grenade aveuglante. De l'or encore, toujours de l'or pour les braves. Je prends aussi. Très bien, cette petite pièce valait le coup. On va pouvoir continuer. Direction le prochain point de sauvegarde, les potes. On va passer par ici. Ça va, j'entends rien.
qui est bien, c'est que les matraques électriques, ça te dit, ah, attention quand même, il y a quelqu'un pas loin. Et c'est pour ça que j'ai été plusieurs fois surpris. Parce que j'entendais pas de matraque électrique, parce qu'il y avait personne avec des matraques électriques. Ou alors ils avaient plus de batterie, peut-être, plus de piles dans la matraque. Oh ! Ok, un boss. Un boss. Bah écoutez, on va le faire. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Ok, donc là c'est toute une phase de QTE. Pendant leur discussion, ça va pas être évident, faut que je me concentre. The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? Ok, la faute à bas, je me souviens que c'était pas évident, en plus ça change tout le temps. On est bon? Yes. Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Enjoy the fun. Ok, bon, c'est un peu le bordel, hein, vous l'aurez compris, mais bon, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Alors par contre, attention, Krauser, il fait des sauts, frère, personne n'est prêt, hein, très clairement. Donc c'est parti, on continue, on va à notre point de sauvegarde. C'était un petit peu le boss, enfin le passage un peu QTE en cinématique, et bien stylé. Oh là là. C'est ce passage qui est trop stylé, que je trouve trop stylé. Regardez-le bien. Dédicace au film, le célèbre couloir, avec justement les lasers. Et ça, je kiffe bien. Alors, évidemment... Oh, damn. Oh là 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 là, c'est stylé. Alors forcément... Attends. Je sais plus ce qu'il fallait faire. Non, c'est dans le film qu'a fait marche arrière. Faut que je trace, je crois. Faut que je trace. Voilà. Ça va se passer comme dans le film. Regardez. C'est pas grave stylé, les gars. Sérieux.
Enfin, comme dans le film, évidemment, c'est pas exactement passé comme ça. Mais voilà, c'était le petit clin d'œil, et je trouve ça bien stylé. Donc c'est parti, on actionne. Voilà! Et voilà, ça, les potes, ça, c'est classe. Bon, et ça, j'achète, comme on dit. Alors, il y a un trésor derrière. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Il y a un trésor dans le trône. Non? Derrière le trône, je ne sais pas. Prendre quoi? Voilà, c'était un mémo. Yeah! Ce n'est pas le moment de se reposer. Alors ça, c'était aussi, je crois, un petit clin d'œil. Je sais plus à quoi. Oh, trop bien! Et ben voilà. Et ben voilà, mon petit pote, c'est laquelle? Coiffure élégante. Yes, c'était donc ça le vrai trésor. Mais alors, c'était un petit clin d'œil à je sais plus quoi. Le fait qu'il s'assoie et qu'il regarde comme ça. Si vous retrouvez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et on est parti, les gars. Direction le souterrain. Le laboratoire, hein, qui dit souterrain, c'est souvent signe de labo. Enfin, labo. Ouais, un peu lugubre quand même. En soi, les gars, c'est pas ouf comme laboratoire. Hein. Bon, il est où? Il est où le maître pour sauvegarder là? Yeah bébé, ça je prends. Ouais non mais j'ai bientôt plus de place. J'ai bientôt plus de place, ça va être super chiant. Il est où là le frérot là? Le vendeur? C'était juste... Ah il est là, voilà. On voit sa petite lumière. On va s'arrêter là mes amis par la même occasion. Est-ce que je peux... Il y a quoi? Tu vas régaler ou pas? C'est pas mal ça. C'est pas mal mon petit pote. Bon, on va sauvegarder et on se retrouve très bientôt pour la suite et la fin de notre aventure parce que bah on s'en rapproche, hein, toute bonne chose à une fin. On va pouvoir augmenter quelque chose, le Broken Butterfly, 70K D1 pour le mettre au dernier niveau. Et c'est tout ce qu'on peut augmenter pour le moment, donc on fera ça la prochaine fois. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et à très vite tout le monde, ciao ciao.